Je vais juste changer de sienne. Et là, je suis en plein écran. Et là, c'est mieux. Ah ouais, ici, c'est... Là, franchement, les gens, ici, ça commence à vraiment être hardcore. Vraiment, vraiment être hardcore. Donc, est-ce que là-bas, on a de quoi? Les yeux qui piquent. Ah, tellement que l'odeur est forte, j'ai les yeux qui piquent. Holy shit, man! Là-bas, il y a écrit quoi? Danger, accès réservé aux personnes autorisées. Ah là, il n'y a plus de personnes autorisées ou pas, hein, en vrai. Monter à l'échelle, bah bien. Quelle question. Tu vois, je fais quoi d'autre si je monte pas à l'échelle? The Umbrella Research Center? First general manager, Dr. James Marcus. Ah, c'était lui qui était dans le train. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. Hmm, what about the male? I'm unfamiliar with him. Attention! This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Revenge. On Umbrella. Ah, dans le manoir. Je trouve que cette musique démoniaque, elle était pas très... utile. On va dire ça comme ça. Dr. Marcus? 10 years ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? Oh, Dr. Marcus! Une immense portrait du premier, hein, James Marcus. Ok. Donc alors, là, ici, qu'on se rappelle un petit peu, on n'a pas de map, on n'a rien. Donc attends, j'ai resté au rez-de-chaussée, histoire de voir tout ce qu'il y a au rez-de-chaussée. Bien évidemment, ce serait un peu con de louper quelque chose. Donc là, on a quoi? On a un ruban. On a des munitions. On a une plante verte. Ah, ok. Si je me trompe pas, il n'y a que moi qui peut le faire. Si je me trompe pas, bien évidemment. Lui, il n'y a plus d'emplacement, du coup, lui, on va laisser tomber son couteau parce qu'il sert à rien au final. On est pas mal, on va se regarder comme ça. Si on meurt, ben, au moins, on a tout de fait. On va aller voir un peu. On va aller dans le même ordre que Resident Evil 1. Moi, je vais à gauche, comme si on allait dans la salle à manger. Qu'est-ce qu'on va voir ici? On peut rentrer. Comme ça, au moins, on voit un petit peu en fouillant tout ce qu'on trouve. Les portes ouvertes, les portes fermées. Ok, là, on a les toilettes. The hell? Plante. On a des bidons. Du coup, on va le laisser ici, ça. La plante, on va la laisser parce qu'on n'en a pas besoin. On a déjà des trucs pour se soigner. Ici, on en a pas besoin non plus. Ça s'ouvre pas ici? Non, rien ne s'ouvre. Donc, je vais reprendre le contrôle de... Rebecca. Wow! Chiche! What the fuck? Mais hey, oh! Il faut les brûler, eux, en fait, c'est ça, non? Ouais, mais lui, du coup, oh putain, il m'emmerde, hein. Continue la route. Ok, la porte est verrouillée, il n'y a pas de serrure. Une horloge est gravée dessus. Ok, on doit avoir la clé avec l'horloge. Ok, ça roule.
Je crois que c'est le fusil à pompe qui va lui faire mal. Je suis pas sûr, hein. Wow. Allez, viens. Pour les esquiver, on n'a pas de cocktail molotov. Malheureusement. Mais munitions, c'est la dèche, hein. Vraiment. J'avais oublié à quel point il était dur, ce Resident Evil. Je me trompe pas, c'est un des plus durs, quand même. What the fuck, gros. Eh, c'est chaud, hein. Je les mets en normal, gros. T'as limite l'impression que c'est pas normal. Ah, des munitions. Insane. You stay here. Non, reste pas là. Je vais lui en donner un petit peu. Je vais combiner, tac. Et je vais lui donner une partie de munitions parce que là, lui, franchement, il va ne servir à rien. Et ça va être la merde. Tac. Combiner, on lui recharge. Pour pas qu'il en galère. Allez, viens là. Allez, Billy. On va essayer d'aller à la porte. C'est bon. Mais Barto, Billy, j'ai pas envie de te caresser les fesses, pas maintenant. La clé de feu. Ici, on a rien. Le robinet est rouillé. Let's go. Yeah. Let's go. Tu vois, la dernière fois que j'ai joué à ce jeu, il était ultra moche. C'était avec un ancien PC, c'était sur PC en plus. Et comme mon PC était pourri, ben, la qualité laisse tomber, c'était horrible. Mais là, tu vois, la Series X, elle améliore bien la chose. Hein. Par contre, les cinématiques comme ça, tu vois que les pixels, c'est pas ouf. Oh, il y en a un autre. Un autre ? J'espère qu'il y a de la munition. On a un ange. Un ange noir. Oh là, lui il est dead. Oh, c'est quoi ça? Un deuxième fusil à pompe. So good, bro. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner le fusil à pompe à lui. Et je vais récupérer celui-là. Attends, je peux pas. Ah, oh, je peux le prendre carrément. C'est pas là, dis donc. N'importe quoi. Celui-là, on va... On va pas lui laisser les fusils à pompe, je lui laisse pas lui parce que tu sais le bot dans le jeu il est pas vraiment à la lumière à tous les étages, donc du coup. Donc on a déjà trouvé la statuette noire. Il nous faut la blanche et il nous faut les ailes blanches et les ailes noires aussi. Oh shit. Bon, je sais qu'il m'a resté plus qu'une munition. On lit. Malheur, Edouard V2. Oh oui, on a de la santé, ça c'est bon ça. Santé, mais pas des pieds. C'est pas ce que je voulais, mais bon. J'ai pris la mauvaise. Paf, paf, commenter, moi, n'importe quoi. Il y a tout, oh là là, j'ai plus de munitions, mon pote, je dois faire très attention. C'est ça qui est bien de jouer en normal, hein. Mais c'est plus intense, pourquoi faire? Tout simplement parce que, ben... On a déverrouillé la porte, déjà, c'est bien. Tout simplement parce que, ben... Quand tu joues en normal, t'as beaucoup moins de munitions qu'en facile. Et je me suis dit, autant ajouter la difficulté, tu sais. On a joué plus dur que ça, hein. Là, il y a un point de sauvegarde, normalement. Si je me souviens bien, il y a des sauvegardes. Attends, on va faire le tour pour voir s'il n'y a pas des petites munitions, je m'en rappelle plus de trop. Ne me rappelle plus de trop. Sécurité, disque nécessaire. Ok, il faut une disquette. Là, bah, on a des balles de fusil à pompe. Insane. Là, on va regarder. Normalement, il faut que je regarde au milieu. C'est un chemin. Non, c'est bon. Il n'y a rien du tout. Autant pour moi.
Allez, c'est les petits rubans qui font zizi. Là, on va voir comment ça recharge. Mais bien sûr, on veut sauvegarder, mon pote. Mais bien évidemment. Et oh. Pour ceux qui regarderont la rediffusion de Resident Evil 0, n'hésitez pas à me lancer un défi, les amis, à me donner des jeux à faire. Surtout, ne me demandez pas de faire Cuphead parce que je me suis promis de ne plus jamais jouer. Parce que c'est hors de question, c'est un jeu qui a failli me faire casser des choses et j'ai pas trop les moyens de... Voilà, j'ai économisé pendant des années pour avoir des setups, c'est pas pour le casser au bout d'une heure parce que j'ai joué à Cuphead. Ok. À moins que ça vous amuserait de me le payer, mais bon, ça sert à rien. Donc là, du coup, on a fouillé en bas. C'est déjà une bonne chose. Ici, c'est fermé. Ok. Ici, c'est fermé. Une horloge gravée. La pluie semble avoir cessé, mais le ciel est assombri par les nuages noirs menaçants. Même les nuages, ils veulent te goumer. Même les nuages, ils veulent te goumer dans le jeu, gros. Ah ouais, gros, la température, la météo et tout, ils ont le chétan contre toi. C'est ça qui est bien avec les portes, c'est que tu peux voir entre deux. Attends, il y a des corbeaux ici, normalement, non? On va pas ramasser le truc. Parce que je sais très bien qu'il y a des corbeaux qui vont arriver, on les a entendus. Hein. Après, ça se peut que je me tape un film. Hein. Mais pour moi, il y a les corbeaux qui vont arriver. Ok. Est-ce que je peux l'allumer? Cheminée. Ah non, on a une petite note. Est-ce qu'on a des munitions? J'ai 2 balles de pistolet avec lui, on va pas aller très loin. J'ai 1 balle de pistolet avec elle, on va pas très loin. Alors bah elle, pistolet, fusil à pompe, hein, bien évidemment. On a une petite note ici. Pause si vous voulez lire. À chaque page. Hein, le code d'accès est 8:15. Et 8h15. Attends, niveau 5 de sécurité, elles seront tenues dans les salles suivantes. Hein. Numéro 1, ouest, salle de contrôle. Numéro 2, salle ouest, salle conférence. Ça, c'est une poignée. Poignée pourquoi, je sais pas, mais on va se casser. Allez, viens là. Ça sert à rien de se casser la tête avec eux, ils vont nous prendre la tête pour rien. Donc, on a des codes. Non, yeah. Toi, tu restes avec moi. Come on. Yeah. On va aller regarder la fiche, le fichier. Avis à tout le personnel, ce document très vieux et quasiment illisible. Les équipes travaillent dans les vaccins et les agents infections. Attends. Et les agents infectieux se réunissent régulièrement. Ces deux réunions sont classées niveau de sécurité 5. Elles seront tenues dans la salle suivante. Numéro 1, 1, 1, 1. Le code d'accès est 8h15. Donc il faut peut-être une carte avant. Je sais pas, mais par contre là on a une manivelle. Mais à quoi elle va servir, mon pote? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout à quoi va servir. I don't know, pop it up. Get you pop it up. Là il faut une disquette. Donc ici c'est mort. Ici j'y suis pas allé. Si je suis pas allé, c'est sûr. Bonjour. Paf. 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 Allez, paf le chien. Oh. On n'en parle plus. Faut pas oublier que derrière, il y a des portes aussi, je pense. Mais c'est parce que vu la caméra fixe, à des moments, tu te fais rouler quand t'as plus l'habitude de jouer à ce style de jeu. Donc on a un petit code qui est... Ah, une disquette. Donc là on va avoir un code, hein. 8-15. Est-ce que lui il peut allumer? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il peut allumer. Non, pas besoin. Super. Là on a un PC. Ah, c'est fermé. La bougie c'est consumé. Donc c'est mort. Ah, on a le plan. On a le plan. Là c'est bien, tu vois. Tous les trucs verts, c'est qu'on y est déjà allé. Donc du coup, on est pas mal.
Pour ceux qui ne savent pas, hein, dans le plan, quand tout est vert, c'est que tu as déjà tout pris ce qu'il y avait dedans. S'il y a une porte rouge, c'est que tu n'as pas été ouvert la porte. Si une porte jaune, c'est qu'elle est déjà ouverte. Et je pense que les portes noires ou je sais plus quoi, je pense que c'est des trucs bloqués. C'est pas vraiment, je sais plus, parce que tous les Resident Evil, ça change. Quelqu'un a utilisé cet ordinateur, cependant, il n'a pas l'air de fonctionner. Parce que si je mets ça, non, ça fonctionnera pas. Il y a un truc qui brille. Il y a un truc qui brille, c'est quoi? Oh, c'est... Ok, on va les prendre. Ah mais... Rebecca, viens. Voilà. Rebecca, come here. On va prendre Rebecca. Oh, on a quoi ici? J'ai assez de munitions, ouais. Donc attends, eux... Lui, on va lui échanger et on va lui donner... Ah, parce qu'il y a quand même pas mal de choses, lui, hein. On va lui donner ça aussi. Ça, on va le garder. Ça, on va le garder. On va dire à Cohen qui met la manivelle. This is it. Ça, je m'en rappelle, du coup. On va prendre Rebecca. You stay here. Ok. Follow me. Ok. Non, Rebecca, tu restes là. I'll go alone. Ok. Voilà. On va lui faire prendre l'ascenseur. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a un truc qui m'attend en haut. Un truc pas très gentil. Oh, le vent qui s'est pris, gros! Wow, j'ai cru que ça allait me baiser, mais non, ça va, j'ai réussi. Oh putain. Désolé de la vulgarité, mais là, j'ai vraiment eu peur. Ressort l'heure, l'aiguille, les minutes, n'est pas sur le cadran. Et là, ça doit être ici. 8h15, ça doit être ici. Mince, je veux... Ah! Je veux les munitions, s'il vous plaît. Comme ça, j'évite d'utiliser mes munitions de fusil à pompe. Parce que là, j'en ai quand même utilisé pas mal. Il m'en reste plus que 3, c'est la mission. Si je quitte pas mon pistolet, ça ira pas. Je vais quand même garder mon fusil à pompe équipé. Parce que s'il y a encore une bestiole là, ça va être la merdasse. Enfin, dans tous les cas, j'aurais pu appuyer sur l'inventaire et changer. Ça change en 2 secondes 30. Mais bon. On ne sait jamais. Oh non. Ah ouais. Est-ce qu'on les tue? Ah, moi je vais les tuer parce qu'ils vont me saouler. Et pourquoi un rien... J'ai eu peur, les corbeaux, j'ai horreur. Hein. Franchement, dans Resident Evil, les gens, la pire bestiole qui peut exister pour moi, c'est les corbeaux. Les corbeaux, mon pote, c'est... Oh, il y en a au moins 50! Vas-y, je me casse. Je m'en vais à Casto! Je suis passé à Casto! Oh putain, chantier! Ok. Donc ici, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Et ici, c'est compliqué. On récupère, on remet des munitions. On va descendre. Il y a peut-être une porte à ouvrir de l'autre côté, non? Peut-être, je sais pas. On va voir. Il y a peut-être une porte qui est bloquée de l'autre côté. Du coup, j'ai juste regardé sur la carte, je suis où. Si je descends, je suis là-bas. Donc je peux déverrouiller la porte de l'autre côté. Ok. Pourquoi je suis passé là? C'est pas grave. C'est pas grave. Ah si, c'est très grave. Chiche! Chiche! Ça dégage, gros, forcément. Voilà, ils m'ont pris pour un faible. Ils sont ouf ou quoi, bande de gueudins. Allez. On
peut pas rouler un fan de Resident Evil, c'est hors de question, même en normal. Enfin, on a ça, super. Par contre, ça, je vais le prendre. Si je peux. J'ai pas de place, putain, fais chier. Fucking shit! Les tableaux représentent un artiste, ok, ça marche. On s'en fiche. Là, c'est une clé bleue, mais on peut pas. On peut pas, pourquoi faire? Ça va très bien, parce qu'on n'a pas la clé. Tout simplement. On va prendre lui. On va essayer de trouver... D'aller sauvegarder. Donc attends, pour sauvegarder, que je regarde le plan. Droite, tout droit, droite, gauche. Il faut que j'ouvre la porte. Let's regroup. Okay. Allez, on se regroupe, il a dit. Pour moi, il a dit ça. On se regroupe. Let's regroup. On va aller chercher les restants. Donc, le lance-boulette. On avait lance-boulette. On avait... rien d'autre. On vient, on avait rien d'autre. J'ai bien regardé. Oh, ils ont disparu. Ah ben mince alors. Est-ce que je peux utiliser le briquet? Je regarde parce qu'il y a moyen. Ah non, il y a que dalle. Allez, on avance. Par contre, lui, on va pas lui laisser le lance-boulette parce que si on a que le boss après, parce qu'il va y avoir un boss après, hein, dans tous les jeux, il y a des boss, surtout les Resident Evil, on va être en galère parce que lui, il tire les balles n'importe où et il saute au-dessus et il te tue. Donc en gros, il va tirer une balle à côté de toi et à côté de lui et puis il va t'enlever toute la vie. Donc ça, c'est vraiment con. Après, c'est... Voilà quoi. Faut tout pour faire un monde, j'ai envie de te dire, mais bon. Faut pas pousser. Allez, viens ma poule. On va mettre ça. Ça marche pas. Parce que je suis pas en face. Nickel. Il nous manque une aile. Du coup, après, il faut aller où? Il faut revenir en arrière, donc vers là-bas. On va faire ça tout de suite après, mais on va déjà les sauvegarder. Ce serait déjà pas mal, hein. Vraiment, hein, ce serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on sauvegarde. Bien sûr, enregistrer une donnée, bien évidemment. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement pour la suite des aventures de Resident Evil Zero. N'hésitez pas à vous abonner, activer la notification, aimer, commenter, partager, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Ça donne la force. Dans la description, vous aurez tous mes réseaux sociaux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller tout à droite sur ma chaîne Twitch pour me voir jouer en live à divers jeux vidéo. C'est gratuit, ça ne coûte rien, ça donne la force. Je vous dis à la fois prochaine. Peace.